de Notre-Dame-des-Landes avec un cadeau. C'est une chèvre. Attends. Ce cadeau, il s'appelle le gourbi. C'est une superbe cabane dans le plus pur style des cabanes de Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu de nombreuses personnes qui sont venues soutenir comme ils pouvaient la lutte de la ZAD. Et aujourd'hui, on aimerait rendre un peu l'appareil et venir soutenir la lutte de la plaine avec cette charpente. Le gourbi, c'est un symbole d'insistance et de détermination qui défend une terre, qui défend un quartier. Et c'est le symbole qui ne se laisse pas écraser par les aménageurs. Pour lesquels nous autres, à Notre-Dame-des-Landes, nous aimons les cabanes, c'est pas seulement pour nous abriter de la pluie, c'est parce que dans chaque cabane, il y a des histoires, que les cabanes sont des histoires qui se racontent, des histoires qui se vivent, et que ce gourbi-là n'est pas le gourbi 1, le gourbi 2, le gourbi 3, mais bien le gourbi 8. En amenant cette petite cabane ici, on va vous faire partager cette force, cette énergie, et que la plaine demain sera elle aussi couronnée de victoire contre les aménageurs. Une chose qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on est si nombreux, c'est que cette cabane, si on a envie qu'elle vive, il faudra être dans les jours suivants, et notamment lundi matin je pense, nombreux à s'y réunir et à la défendre contre quiconque voudrait la mettre à mal. Chug, 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 chug